Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Tente Ma Chance. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de comment retirer ses bitcoins sur l'application Amberfund, que ce soit sur iOS ou Android. Donc, pas de jingle comme la première partie, nous allons connecter mon téléphone parrain auquel vous avez vu dans la première partie pour voir si des satoshi ont été échangés en bitcoin et comment faire le retrait maintenant sur un wallet extérieur. Donc c'est parti les potos, je connecte mon téléphone. Donc c'est parti les potos, nous sommes connectés sur mon téléphone. Donc nous allons aller dans Wallet. Du coup, les SAT Rewards ont été échangés. Donc j'avais demandé, ici on va revoir, 48 129 Satoshi que j'avais demandé, d'accord. Il y a 16 heures. Il y a 16 heures, j'ai eu un withdraw de 48 129 satoshi qui ont été transférés ici. Donc vous pouvez voir les 23,49, d'accord. Et ces 23,49 de Bitcoin, nous allons les transférer sur un wallet. Donc pour ceci, il te faudra un wallet extérieur qui a Bitcoin. Donc moi, je vais utiliser Coinbase. Hein. Tu peux utiliser FacetPay, Binance, n'importe quoi, n'importe quel wallet. D'accord. Donc j'avais déjà fait un retrait aussi d'Amberfund sur un de mes téléphones filleul, d'accord, que j'ai à côté. Et j'avais transféré, je ne sais plus combien, 9,52. Mais vu que j'ai un petit peu de crypto en dessous, voilà. Je suis monté à 9,56, j'avais 9,52 je pense. Voilà, j'ai reçu 18 235 Satoshi, d'accord, qui faisait 9,51. Donc là, je suis à 9,56 sur mon wallet Coinbase. Donc je retourne dans mes actifs. Ici, on pourra voir, du coup, ici, 9,56 en Bitcoin. Donc j'ai gagné 5 centimes avec le Bitcoin qui remonte un petit peu, ça monte, ça baisse, d'accord. Et c'est ici qu'on va les transférer. Donc pour ce faire, tu vas cliquer sur ton Bitcoin. Hein, si tu n'en as pas encore, tu recherches ici un actif. Hein, sur ton wallet, rechercher actif et tu mets BTC. Genre ici BTC. Et tu pourras le retrouver tout de suite ici. D'accord. Donc tu cliques dessus, BTC. Comme là, tu peux voir, il y a ça. On va aller aussi repérer, c'est envoyer et recevoir, d'accord. Aller sur envoyer et recevoir. Donc toi, je ne sais pas quel wallet tu utilises, mais tu vas faire dans recevoir. Donc ici sur le Bitcoin, c'est envoyer et recevoir, et tu vas cliquer sur la petite case recevoir. Ici tu vas avoir une adresse, d'accord, et c'est cette adresse là qu'il faudra insérer dans Amberfund, d'accord. Donc moi, il faudra que je le tape manuellement, vu que mon téléphone est connecté et je ne peux pas faire du copier-coller. Mais toi, si tu le fais via un téléphone, normalement, tu peux faire un copier ici, tu copies et tu colles sur Amberfund, d'accord. Donc moi, je noterai manuellement, donc je ferai un cut tant que j'inscrive toutes ces lettres, hein, toute cette adresse sur Amberfund. Donc on va se retrouver sur Amberfund. Voilà, on est sur Amberfund. Ici, vous avez vos Satoshi, vos Sat Rewards qui sont échangés. Donc, ils se sont échangés cette nuit, à partir de minuit 30, je crois. La somme était en Bitcoin. Donc, tu vas cliquer dessus, sur cette case, comme j'avais expliqué. Hop. Et ici, tu vas cliquer sur la flèche. D'accord. Tu vas cliquer sur cette flèche, ça veut dire retirer. Ici, tu as soit ton empreinte digitale ou ton code à mettre. Voilà. Et ici, tout simplement, on va noter ces Satoshi qu'on a. Donc, on va faire du 0.0.3044.85.10. Voilà. On va faire continuer. On clique sur la case continuer. Donc là, on le voit mal, mais tu notes cette somme-là que tu as. D'accord. Tu fais continuer. Là ici, ils te redisent que les frais, il y a encore des frais, tout ça, donc c'est ce que je t'ai dit, avoir au moins entre 13 000 15 000 Satoshi pour faire déjà ton échange, et après tu regardes si tu as plus de 10 000 Satoshi, tu pourras demander ton retrait là, parce que là, pareil, tes bitcoins, faut qu'on soit à plus de 10 000 Satoshi, c'est important, sinon tu ne pourras pas faire ton retrait, et tu vas dire que ça ne marche pas, donc tu vois bien que là j'ai plus de 10 000 Satoshi pour le retrait aussi. D'accord. Donc tu vas faire continue.
Voilà, donc les frais ne sont pas trop énormes, je vous le dis tout de suite. Et là, tout simplement, tu vas rentrer ton adresse ici, qui soit sur AmberFun. Donc je fais un cut, j'inscris manuellement cette adresse et je reprends cette vidéo, poteau. Donc voilà, donc dès que tu as inséré ton adresse Bitcoin de Coinbase ou de ton wallet préféré, d'accord, tu pourras tout simplement essayer de copier déjà pour être au cas où, parce qu'on va faire un retour. Donc le mieux c'est de copier cette adresse, select all, et de faire copier. Voilà, tu copies au cas où que si tu dois le mettre manuellement et que tu dois le réinsérer, que ça soit copié, comme ça tu pourras faire un paste juste après. Donc là on va faire retour, d'accord. Donc là ils nous disent il y a 43 084, hein, on le voit très mal, mais ils te redisent un truc. Donc il y a 22 94 pour les frais, ils ont calculé les frais. Donc bien entendu tu vas faire continue ici et tu refais continue et tu fais review. L'adresse a été mise directement, donc c'est bon, d'accord, ça a été pris. Et là, ils te disent qu'il y avait 52 centimes de frais pour transférer sur ton wallet. Donc on est bon. Tu fais withdraw. Voilà. Donc le withdraw, c'est fait, d'accord. Donc si on retourne en arrière, on a bel et bien 0. Là, je te montre qu'il est 14h49. Nous sommes le 6 juillet 2024. Et on va voir dans combien de temps ça va arriver sur Coinbase, et je peux vous dire que ça va assez vite. Allez, à tout de suite. Donc reprise de la vidéo tout de suite les potos. Donc vous pouvez voir 14h55, donc ça a pris 49, on va dire que ça a compté à 50, hein, ben, on va dire 6 minutes, ça a pris 6 minutes pour que ça vienne sur Coinbase. Donc voilà, donc comme je disais, ça a pris 6 minutes, hein, ça va super vite. Et voilà, donc on peut bien voir, hein, il y a 7 minutes, il y a 44 851 Satoshi qui sont partis sur Coinbase. Donc on peut le voir ici, d'accord, 32, 52. Comme je disais, là c'est la bourse, donc si ça continue à baisser, mon gain va baisser aussi. Et si je laisse stacker, si ça monte, et ben vos gains vont monter aussi, d'accord. Donc là, on est bon, vous voyez, ce n'est pas dur, il faut juste refaire un retour parce que votre somme totale, ça ne va pas marcher parce que quand on fait un retour, il calcule les frais directement. Et vous avez juste à appuyer sur le bouton continuer et valider votre retrait. Et vous voyez qu'on est à zéro, hein, il ne triche pas, vous avez 52 centimes encore en plus. Donc total des deux, il faut compter à peu près un peu plus de 2 euros de transfert, d'accord, d'échange et de transfert pour le Bitcoin. Donc c'est ce que je t'ai dit, attends que tu as à peu près du 12-15 euros, quoi. 12 encore limite, mais moi je te conseille de miner du Satoshi, enfin déjà à plus de 10 000, il faut calculer Satoshi, ne calculez pas le prix du Satoshi, d'accord. Vous allez voir peut-être, comme là j'ai 5,24 € déjà, d'accord. Donc là je sais que j'ai déjà plus de 10 000, j'ai déjà mes 10 000, mais si je veux faire un transfert de 10 000 à partir du 15, les 10 000 quand je vais recevoir sur Bitcoin, d'accord, là c'est des SAT rewards, mais si je vais le recevoir, si je les échange à 10 000 piles, ici je vais me retrouver peut-être avec 8 000 ou 9 000 Satoshi, et je ne pourrai pas faire le virement, parce qu'il faut 10 000 aussi. Donc faites très bien attention à ça. Donc minez vraiment, minez dans Home, minez à peu près jusqu'à 15 000 Satoshi, 14 000 c'est bien déjà, hein, minimum 14 000 pour être tranquille pour faire votre virement. Le prix, vous vous en foutez, c'est la bourse, c'est là il a bien chuté, je vous le dis, hein, le BTC a bien chuté. Et personnellement, laissez stacker, et quand vous voyez votre solde monter, donc suivez un petit peu des graphiques Bitcoin, hein, à l'heure actuelle, à combien qui est arrivé, et potentiellement, s'il arrive dans les 65 000, 70 000 qui remontent, ben, tu peux prendre ton argent avec ton profit. Ça veut dire que si tu as réclamé, si tu as touché, comme là j'ai touché 32,52, si je monte, admettons, à 40 euros, et ben voilà, c'est moi qui décide de retirer les 40 euros, j'ai un profit de 8 euros pour les envoyer sur PayPal ou sur mon compte bancaire, tout simplement. Voilà poteau. Donc tout simplement pour aller qu'est-ce que j'allais dire aussi, pour aller sur Coinbase, hein, normalement vous le savez, ceux qui sont sur Coinbase, ils savent comment renvoyer ça sur PayPal ou sur un compte bancaire. Vous allez dans les paramètres, d'accord, vous allez dans les paramètres de votre profil ici, et vous allez insérer tout simplement votre
votre compte bancaire ou soit PayPal ou un truc comme ça, d'accord? Voilà les poteaux pour le retrait aussi facile que ça. Donc que je ne vois pas de commentaires à dire c'est des voleurs, ils ne payent pas. Vous avez la preuve en vidéo. Ça fait plusieurs années que je l'ai ce truc, ça fait plusieurs années que je touche de l'argent avec le Bitcoin, d'accord. Regardez, vous voyez, ça monte 32,69, j'étais à 67. Voilà, parce que le Bitcoin remonte un petit peu. Voilà, donc vous vous faites du profit en les stackant dessus. Voilà, tout simplement. Mais bon, que je vois pas un commentaire qui dise ça ne paye pas ou un truc comme ça. Ça fait plus de 2 ans que j'utilise. J'ai gratté des centaines et des centaines d'euros avec AmberFun. Donc moi, personnellement, le lien est toujours dans la description. Et n'oubliez pas que vous avez 11 Satoshi, 10 Satoshi de plus avec le lien dans la description. Donc si vous voulez continuer à gagner, je vous invite vraiment à utiliser AmberFun, les potos. Et vous allez voir que mois par mois, même si tu commences à 11 Satoshi, il te faut un mois et demi pour retirer tes gains. C'est ce qui est bien. Maintenant, si tu veux faire comme moi, avoir plusieurs vieux téléphones à côté et demander à des personnes sérieuses de ta famille qu'ils installent WhatsApp et de donner leur numéro de téléphone, ils t'envoient le code WhatsApp et toi, ton téléphone est validé et ton téléphone parrain est... est validé. Donc je vais vous expliquer aussi, parce que je crois que je ne l'ai pas dit, hein, ça peut être une erreur aussi de ma part que je ne vous l'ai pas dit, mais ici pour parrainer, hein, comme je l'ai dit, pour parrainer vous allez dans Wallet. Donc si vous voulez mettre des téléphones à côté comme moi, d'accord, vous allez là, vous allez dans paramètres, voilà, et ici vous avez votre lien, d'accord, vous avez un lien que vous pouvez copier. Si vous ne l'avez pas entièrement, vous copiez ici. Vous appuyez ici et tout simplement vous l'envoyez dans votre boîte mail personnellement, d'accord, votre boîte mail attitrée, vous l'envoyez là-dessus et vous aurez l'adresse complète. Vous avez juste à faire un copier et un coller pour envoyer à une autre adresse mail, parce que si tu recrées un compte, il faut une adresse mail différente sur un autre téléphone, un numéro de téléphone différent, que tu auras un code WhatsApp. Voilà, donc voilà le parrainage, comment que ça se passe. Tu as ton premier téléphone, ton lien, tu le copies, tu l'envoies à une autre adresse mail que tu as inventée sur Google, que tu as créée, et par contre ton numéro de téléphone est différent et tu installes, la personne installe WhatsApp pour te donner le code. Voilà, mais chaque téléphone a une adresse mail différente et ton lien reste pareil sur tous les autres téléphones. Et comme ça, ton téléphone principal tournera à plus de 40-50 Satoshi par heure, ce qui te fera du 1080, 1100, 1200 par jour en Satoshi. Donc en moins de 10 jours, normalement, tu peux avoir tes 10 000 Satoshi. Ça veut dire que tu peux avoir 30 000 Satoshi par mois. Donc 30 000 Satoshi qui peut te faire du 20-25 euros par mois. Et plus que tu auras de téléphone parrainé, plus que tu te feras de l'argent sur cette application. Voilà les potos, c'était Je tente ma chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et liker cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures de comment gagner de l'argent. Allez tchuss, bonne chance et bon gain. Yeah.